La conférence du désarmement est réunie. L'Europe y joue son destin. Or, nous en sommes arrivés à un point. Ou si l'Europe n'est pas désarmée, et par conséquent, si l'organisation internationale n'est pas pourvue des moyens nécessaires pour faire respecter ses décisions, force sera bien à chacun d'assurer sa sécurité par les siens propres. Je vous propose une dernière fois ce que je n'ai jamais cessé de vous proposer depuis que la Société des Nations existe. Je vous demande si, oui ou non, les nations vont continuer à vivre en défiance les unes avec les autres, affirmant la paix du bout des lèvres, mais préparant la guerre, proclamant la paix dans les discours, mais continuant de s'armer dans les budgets, proclamant la paix dans les réunions internationales, mais refusant de fournir les moyens de l'assurer. Comme chacun sait au fond de lui-même que l'Europe et notre vieille civilisation européenne ne résisteraient pas à une nouvelle guerre, que vainqueurs et vaincus sombreraient dans une même anarchie, je dis qu'avant cela, avant de recourir à cette extrémité, il faut sans se lasser, au nom de nos morts, ayant puisé dans leurs souvenirs la force et la ténacité nécessaires, redire à l'Europe, prends garde.